Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 9 août. Il reste plus que 3 semaines de vacances. Je crois qu'il y en a qui rattaquent avant ou après. Dites-le moi en commentaire si vous commencez. Quel jour vous commencez vous les cours? Moi je rattaque le 4 septembre. Ouais, le 4 septembre, donc c'est un mardi. 4 septembre, oui, il me semble que c'est le 4 septembre, mais je vous le confirmerai dans la prochaine vidéo. Je vous ai dit que je vous ferai une petite vidéo aujourd'hui, donc je vous ai mis une vidéo que j'ai fait hier, que je vous ai publiée il n'y a pas longtemps, il y a une heure, je crois. Dites-moi si vous l'avez vue. Oui, alors, c'est en fait, je suis en train de faire mon petit goûter, il est 5h, il est 5h25, et voilà, je me fais mon petit goûter. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu prends pas de la brioche? Moi, je prends du pain de mie, c'est meilleur. Avec du chocolat, alors c'est du chocolat Milka qui a fondu, parce que hier, je suis allée à Géant, et puis... Et en fait, on a acheté, je voulais en manger une tablette, pas une tablette entière, hein, je voulais la partager avec mes parents. Mais en fait, elle a fondu. Et du coup, je l'ai mis au congélateur pour qu'elle durcisse. Et du coup, elle n'est pas dans un état. Et en fait, c'est du Milka au tendre lait. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo tablette de chocolat. En disant de quel chocolat elle mange. Moi, je mange que le lait, donc. Et en fait, maintenant, je vous ai dit que je vous essaierai de vous emmener avec moi au marché, parce que je fais le marché le jeudi matin. Mais comme il n'a pas fait beau, voilà, il faisait tout gris, il y avait trop de monde, puis j'avais pas le temps. Donc, voilà. Et en fait, en repartant du marché, je suis tombée sur un sac qui est magnifique. Donc là, vous voyez le dos. Que devant, je vous garde une surprise. Et en fait, regardez ce que c'est devant. C'est des flamants roses. Alors, il y en a qui vont me dire, pourquoi des flamants roses? Alors, c'est écrit Summer Paradis. Donc, je pense que Summer, c'est été. Et paradis, paradis. Dites-moi si c'est ça. Et il y a des flamants roses. La petite anecdote, c'est que... Parce que les personnes qui me regardent le connaîtront peut-être, j'ai un de mes frères qui adore... J'adore j'arrive pas à parler. Le catinier... Laissez tomber. J'arrête pas de l'embêter avec ça. Donc... Je l'ai trouvé trop beau. Et puis comme normalement avec ma classe cette année, on va faire la piscine, je me suis dit, bah là, je peux mettre mes affaires de piscine dedans. Et parce qu'il reste encore 3 semaines avant la rentrée. Donc je compte bien aller à la piscine avec mes proches. Et je me suis dit, bah nickel, ça rentre. Et en fait, donc je l'ai payé 10 € sur le marché. Et en fait, avec, il y a un petit porte-monnaie qui est magnifique, qui est Summer Paradis, pareil, mais des deux côtés. Il est trop beau. Donc, pour emmener quelques petits trucs pour mettre dans le sac, c'est bien. Là, il est attaché à la lance. Donc, voilà. Je pense qu'on peut l'enlever. Après, on peut le laisser, mais... Et, en fait, dedans, il y a une petite poche. Il y a une petite poche, juste... Là, je pense que vous la voyez. Voilà, pour mettre des petits trucs froids qui se passent au fond du sac. Voilà, il est magnifique. Évidemment, je peux pas mettre mes cours dedans. Il y a des trucs bizarres dans mon machin. Basta. Donc, voilà. Aussi... Je vous ferai une vidéo pour ma rentrée, parce que sachant que faut que je mette dans mes cahiers, mon classeur,
ma première année pour continuer la deuxième année. Mais je pense que je vais prendre des porte-vues. On est cahiers, mais ça, il faut que je réfléchisse. Si, moi aussi, en fait, je suis en train de. Oui, alors, je me suis dit, tiens, comme je fais une petite vidéo, je vais vous parler un peu plus de mon téléphone. Bon. Pour ceux qui demandent, moi, j'ai goûté les Contrex souvent. Si vous la voyez dans mes vidéos, parce que j'en bois. C'est une litre 5. 1,5 litre. Il y en a qui vont me dire qu'ils aiment pas cette eau. Moi perso, je l'adore. Moi avec ma mère, on adore boire ça. Les gens qu'il faut boire, voire 1,5 litre, voire 2 par jour. Moi, généralement, cette bouteille, j'en ai déjà bu 3 et elles me font pratiquement une semaine, 15 jours. Que souvent je bois la nuit parce que comme il fait très chaud, ces derniers temps, il fait très chaud, là, il pleut. Bon, il a plu il y a 1 heure. Bon, on redescend un peu les degrés. Et perso, moi, j'aime bien boire la nuit, parce que des fois, je me lève. Et là, en fait, je tousse souvent. Parce que je fais des allergies au pollen, pour ceux qui savent. Ça, c'est rien sur mon téléphone. Excusez-moi. Donc voilà, il faut beaucoup s'hydrater. Moi, en tout cas, je m'hydrate. Voilà. Moi, je bois la Contrex. Après, je peux boire l'eau du robinet. Mais généralement, je préfère boire celle-ci. En fait, j'envoie une photo. Donc voilà, je bois beaucoup. Voilà. Pour ceux qui. Non, là vous verrez pas. Je pense que vous voyez le rose là. Et j'ai testé le crayon rose que je vous ai montré hier sur la vidéo que j'ai acheté hier aussi, ben il est génial. Perso, il est génial et c'est un qui me fait pas mal celui-là. Parce qu'en fait, c'est des couleurs de l'été, hein, donc. Ouais, j'ai voulu le tester donc j'ai que mis ça sur mon crayon en fait. Donc voilà. Aussi, mes ongles. C'est une catastrophe. Je les ai pas sur moi, mais il faut que je vous parle d'un vernis. C'est des vernis pourris. Moi, honnêtement, ce que j'utilise et qui tiennent mieux, c'est ceux du Brochet et ceux de mon esthéticienne, le Jouet. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. En bas. Donc, voilà. Donc, je peux aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'ai ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que vous en saurez. C'est une boîte que j'ai recouvert parce que c'est en fait une boîte de lait qu'on m'a gentiment donnée. Et en fait, j'ai mis deux couleurs parce que j'aime bien le bleu et j'ai le rouge aussi, c'est bien.
Voilà. C'est une boîte que... Je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse une boîte. Et en fait, dans ma boîte, je pensais la laisser, mettre des papiers. Et pour ceux qui viennent dans ma chambre ou à l'occasion chez moi, je leur dirai de m'écrire des petits mots qui pourront glisser là-dedans. Et aussi, je mettrai quelques petits trucs de la vie pour que quand je suis pas bien, que je les lise et que voilà. Ça me fasse rire. Sachant que j'en ai déjà écrit dans ma chambre, je pense que vous en voyez un le bleu là et le rose là-bas. Ce que je vous ai montré dans une vidéo qui est au mois de juin. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des idées, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans pour me dire que quand ça va pas, bah... Voilà. Dites-moi ce que vous mettrez dedans, vous. J'ai une boîte, c'est bien, on peut mettre plein de choses. Est-ce que je fais un trou ou pas? Ça, je verrai. Donc, voilà. J'essaierai peut-être d'en récupérer peut-être deux boîtes. J'en ferai peut-être deux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi. Je pense que je vais. Parce que j'adore lire. Moi, je suis une fille qui lit beaucoup. Et en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des vidéos que je mettrai un jour de la semaine en ligne ou en regardant des livres. Et le premier, je pense que je vais partir sur celui-ci. C'est Emile Schmitt, Monsieur Ibrahim et le jour du Coran. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, sauf ceux qui ont été dans ma classe l'année dernière parce qu'on l'a lu avec une prof de français. Je me suis dit, j'aime bien faire la lecture et pourquoi pas, pour ceux qui connaissent pas et qui voudront que je le dise. Oh, la feuille est déchirée, donc c'est moi qui l'ai fini. Et en fait, il en a fait plein, que j'essaierai de trouver à la médiathèque si je le trouve. Moi, j'adore lire. D'ailleurs, je lis sur mon téléphone. J'ai une application Wattpad. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. C'est celle-ci. Ah! C'est celle-ci là. Donc elle est orange en fait. Voilà, je suis en train d'en lire une justement. Mais généralement, ça se présente comme ça. Merde, pardon. Donc c'est Wattpad. Dites-moi comment dire. Et en fait, voilà. Vous voyez pas. Voilà. C'est des que je pourrais lire éventuellement. Et je viens de finir celle-ci. Donc voilà. Il y en a que j'ai fini, il y en a que j'ai pas eu le temps de finir. Et à chaque fois, je regarde s'il y en a des nouveaux. Et généralement, je le dis quand je suis pas chez moi. Ou quand je m'ennuie, que je suis pas chez moi et que je m'ennuie, ou généralement dans le bus, ça peut m'arriver. Donc voici. Donc dites-moi si vous la connaissez l'application ou pas. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire des livres? Et je commencerai sur celui-là. Et sachant que moi j'adore lire, mais il y en a qui aimeront peut-être pas que je lise ça. En fait, j'en avais déjà fait une partie, mais je sais plus si je l'ai publié. Je ne crois pas que je l'ai publié. Je regarde ça dans mes vidéos. Non, je la lirai et je le mettrai une fois par semaine. Donc, je pense que je le ferai en avance, hein, je le ferai dans les jours et je la mettrai en publication le mercredi. Mais est-ce que je commence maintenant en sachant que je pense que si je le fais en 3 mercredis et que seulement j'en fasse un samedi pour commencer le premier chapitre, voilà, c'est pas des chapitres, c'est moi qui l'ai coupé. Donc voilà. Mais je pense que je publierai le mercredi. Dites-moi si un jour qui vous plairait de la semaine que vous voulez que je vous publie ces genres de choses. Sachant que je me suis dit, pourquoi pas. Moi, je pense que je regarde des youtubeurs, mais je pense pas qu'ils font des trucs comme ça.
Sachant que moi, pour faire les vlogs, c'est pas évident parce qu'avec mon téléphone, c'est pas trop et mon ordi, je peux pas vous emmener partout. Parce que je vais essayer d'avoir un appareil pour Noël. Donc voilà. Ça, après, je vous tiens au courant dans les années, dans les mois à venir. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Je sais, beaucoup me demandent de faire une vidéo pose de vernis. Mais le problème, c'est que je peux peut-être pas trop la faire parce qu'avec mon téléphone, c'est pas trop le cas. Et avec mon ordi, c'est pas évident non plus. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir que derrière moi, c'est le bordel. Parce que ce matin, je suis partie à l'arrache, j'ai tout mis sur ma penderie, j'ai dit je rangeais. Mais dans mon placard, ça va, c'est un peu rangé, mais pas trop. Mais le lit est fait, hein. Le lit est à moitié fait là. Donc, voilà. Donc, je crois que je vais arrêter là parce que ça fait 15 minutes que je parle. Et j'en ai encore quelques-uns là, bouquins. J'en ai quelques-uns, donc je suis ici. C'est celui-ci que j'ai acheté. Je pense que celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est les enquêtes au collège. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait. Et je regarderai ça, évidemment. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'était une vidéo pas très intéressante pour vous, mais explicative pour moi. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus pour continuer à me suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et même vous pouvez me poser des questions sur Instagram. Et je vous ferai une vidéo si vous voulez. Je vous pose mes questions. Enfin, les questions que vous me posez, je vous les lirai en vidéo. Parce que ça, beaucoup de personnes le font. Voilà. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai une vidéo avec Instagram. Moi, c'est une catastrophe. Ok, voilà. Allez, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et continuez à me suivre. Et n'hésitez pas à dire à vos proches de me regarder s'ils le souhaitent. Et si vous avez des trucs à me faire pour que je m'améliore, n'hésitez pas, parce que je débute depuis 2-3 ans. J'avais fait des vidéos il y a 1 an, 2 ans, mais voilà, j'avais arrêté pour des raisons personnelles. Donc voilà, je recommence à partir, et je pense que certains et certaines d'entre vous me connaissent et souhaitent que je continue. Donc voilà, allez, bye bye, à bientôt.